Alors sur la deuxième édition de ce salon à Mauchamp, nous avons eu la chance de pouvoir réunir différents praticiens de la géobiologie, une société Jura Météorite qui vend des minéraux, un institut de soins ayurvédiques et de vente de produits ayurvédiques, une praticienne en Feng Shui, une naturopathe, un praticien en Reiki, une énergéticienne, une sophrologue, un distributeur de produits d'aloe vera, une réflexologue, deux praticiennes de shiatsu, une ostéopathe et un cristallothérapeute. Et bien entendu, la métakinébiologie que je représente sur ce salon également. Alors, il est important pour moi de spécifier que tous les participants sur ce salon sont des professionnels. Ce sont des personnes qui pratiquent uniquement ce métier. Ce sont des personnes qui travaillent en réseau, parce que le principe, effectivement, c'est de prendre conscience qu'il n'existe pas qu'une pratique, mais que toutes ces pratiques, ce sont des portes et qu'elles ont toutes des liens. Donc, il n'y a pas de pratique unique, il n'y a pas une pratique mieux que les autres. Alors, il y a des personnes qui vont passer par le corps, il y a des personnes qui vont passer par la tête, il y a des personnes qui vont passer par les pieds, il y a des personnes qui vont passer, par des soins ayurvédiques, peu importe. Chaque individu peut, par une porte très différente, accéder au chemin vers lui-même. C'est très chaleureux, c'est un petit salon, c'est pas le grand salon, on a souvent les mêmes. On est là pour accompagner, on est là dans la bienveillance, dans le respect, et on est là pour partager, échanger ensemble. Alors, ce qui est intéressant au salon de Mauchamp, c'est qu'en fait, on peut y rencontrer des praticiens de santé naturelle, de proximité, c'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin d'aller sur Paris ou dans une autre grande ville pour trouver un naturopathe, un sophrologue, un feng shuiiste. On est complémentaires, donc il arrive que je reçois une personne avec qui le Reiki ne fera pas grand-chose à son niveau. Donc je vais l'envoyer sur du shiatsu par exemple, parce que c'est plus un problème physique, ou je vais l'envoyer sur de la métakinébiologie. Je ne suis pas sur le salon que pour le shiatsu, je suis dans le salon pour un peu faire découvrir aux gens que le bien-être c'est dans l'assiette, dans ce qu'on mange, dans ce qu'on est, dans ce qu'on vit, et dans notre maison, et dans notre environnement. Nous sommes un groupement de praticiens qui avons les mêmes valeurs, qui avons la même éthique. Venez voir déjà, venez voir, objectivement, essayez de venir avec un œil neutre, et faites-vous une idée en sortant, laissez parler la petite voix qui est en vous, surtout ne raisonnez pas, mais écoutez ce qui vous fait raisonner, voilà, je dirais ça en français. La métakinébiologie est un concept qui réunit plusieurs techniques. La technique de l'EMDR, la technique de l'EFT, la programmation neurolinguistique que l'on appelle la PNL. Et on utilise le test de kinésiologie qui va nous permettre d'interroger le corps-cerveau au niveau des mémoires cellulaires. Le principe de cette technique, c'est de déprogrammer les schémas, les croyances, les blocages émotionnels dans lesquels nous sommes enfermés. L'objectif, c'est justement de faire de la déprogrammation et de la reprogrammation afin de pouvoir nous libérer des colères, des peurs, des doutes qui nous empoisonnent au quotidien et qui ne nous permettent pas d'être nous-mêmes. Alors le Reiki, c'est une technique de soins holistiques d'origine tibétaine, redécouverte au Japon par Mikao Oshui au début du siècle, qui s'apparente au magnétisme pour les gens qui ne savent pas trop ce que c'est que le Reiki. La différence entre le Reiki et le magnétisme, c'est que le magnétiseur donne sa propre énergie, donc après, il a besoin de faire des rituels pour se recharger, se nettoyer, etc. Alors que le maître Reiki ou le praticien Reiki envoie l'énergie universelle, celle qu'il canalise, l'énergie qui nous entoure. Donc il va travailler sur les chakras, les 7 chakras principaux, pour envoyer cette énergie qui va provoquer une réharmonisation des chakras si besoin est. Alors la séance de Reiki, ça se passe habillé sur une table de massage. La personne est détendue, on met une musique de relaxation, souvent avec une petite cloche toutes les 3 minutes parce qu'on change de position. Le praticien ou la praticienne impose ses mains sans toucher le corps au-dessus des chakras pendant une heure à peu près. Ensuite, on fait un débriefing et là, on va chercher si problème il y a à faire comprendre à la personne de travailler sur le problème qu'on va déceler. Si par exemple le cœur est en demande, donc le chakra du cœur, à ce moment-là, on va parler, si la personne le veut bien, de ce problème, donc un problème sentimental, et la personne va travailler sur ce problème. Alors je me suis personnellement occupé d'un jeune qui était en dépendance de drogue douce, donc cannabis. Dans un premier temps, je l'ai relaxé avec les séances de Reiki, ça a duré environ 3 mois. Dans un deuxième temps, il a pris conscience
du pourquoi il fumait. Et après, il a pris la décision de diminuer sa consommation, de se former, donc de faire un stage. Il a trouvé un travail. Prendre conscience de ce qu'on fait, qu'on ne fait pas du bien à son corps, c'est ce que le Reiki apporte. Avec le Reiki, on peut travailler sur les dépendances, drogue, alcool, tabac. On peut travailler sur les sciatiques. On peut surtout soulager en complément toujours d'un traitement médical. Mais on n'est surtout pas là pour se substituer à la médecine. Ça, c'est très important. On propose une certaine clarté au public. J'ai été formé par Jean Marco, qui a été formé par Nirmala Gustave, etc. Et là, on remonte jusqu'au Mika Oshui, le fondateur du Reiki. Un maître Reiki doit pouvoir afficher sa lignée, c'est très important. Le Feng Shui, c'est l'art d'optimiser les espaces. Alors, des appartements, petits, grands, des maisons, des jardins, des entreprises, des commerces. On va optimiser l'aménagement, l'ergonomie pour vivre dans un contexte qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. La bonté, ça veut dire de l'avant, en avant, vers l'avant, puisque le Feng Shui, ça va être l'énergie supplémentaire pour faire aboutir nos projets, pour atteindre nos buts. Ce que j'essaye d'expliquer en conférence, c'est que le Feng Shui, ce n'est pas compliqué, c'est juste beaucoup d'observations, c'est juste prendre le temps, prendre un petit peu de recul sur son habitat, essayer de voir sa maison avec un œil nouveau pour vraiment prendre conscience qu'on a mis sur nos murs, dans nos maisons, nos états d'âme, on les a exposés. Et donc du coup, faire un petit stop pour regarder et se dire voilà, qu'est-ce que j'ai envie d'y mettre, qu'est-ce que je fais du coup en conscience. On va pouvoir utiliser notre espace de manière réfléchie. Le shiatsu, c'est une technique énergétique qui repose sur un référentiel qui est la médecine traditionnelle chinoise. La réflexologie faciale, c'est une réflexologie toute jeune, toute récente, qui a été conceptualisée par un médecin vietnamien, le docteur Cho, qui a cartographié pour la première fois dans les années 1980 les premiers points réflexes et les zones réflexes qui permettent un travail sur le visage. Le shiatsu, en cabinet, se pratique sur un futon, se pratique au sol. C'est un enchaînement de pression et de relâcher tout le long du corps, d'étirement et de mise en action, de stimulation de points dits d'acupuncture. Pour ce qui concerne la réflexologie plantaire, on va exercer des stimuli sur la voûte plantaire et le pied, sur des zones réflexes. Et la réflexologie faciale, on va également stimuler des points réflexes ou des zones réflexes sur le visage. Dans le cadre du salon, je propose un protocole de détente et de relaxation. En shiatsu, on s'installe au sol sur le futon et on fait un petit enchaînement de pression et de relâcher et un petit travail au niveau de la nuque et du visage pour permettre la détente, le confort, la relaxation. Il en est de même pour la réflexologie faciale. On installe la personne sur le dos et on travaille un petit peu sur le visage selon un protocole choisi, dit de détente et de relaxation. C'est une thérapie donc, qui est directement liée au corps et c'est aller ressentir dans le corps les choses que la personne vit. De la même manière que l'acupuncteur avec les petites aiguilles va intervenir sur des points énergétiques bien précis pour rééquilibrer l'énergie, moi je fais la même chose mais avec mes mains. Et en fonction de l'endroit où je vais poser mes mains sur le corps de la personne, bah, effectivement, généralement, mes mains vont être attirées par les nœuds énergétiques. La manière où je vais orienter mes mains, et bah, je vais soit donc libérer un excès d'énergie ou au contraire faire en sorte à combler le manque d'énergie, pour que ça puisse recirculer à nouveau. Le soin énergétique, c'est aussi bien pour une douleur physique, ça peut être un torticolis, ça peut être une tendinite, après ça peut être pour un mal-être émotionnel, ça peut se manifester par une grosse fatigue, ça peut se manifester par de la déprime, ça peut se manifester par un stress. Au-delà de l'énergie du magnétisme, j'ai une lecture énergétique qui est donc la médecine traditionnelle chinoise, en sachant que dans le corps, il y a des correspondances. Donc, la colonne vertébrale, on retrouve toutes les parties du corps. Et puis là, je commence à scanner la colonne vertébrale, à poser mes mains où mes mains ont envie de s'arrêter, parce que généralement, c'est pas anodin. C'est tout simplement le point énergétique qui est à rééquilibrer.
plutôt sur le salon pour pouvoir faire découvrir le soin énergétique aux personnes. Donc je leur explique en quoi ça consiste en quelques mots. Et effectivement aussi, je propose des soins découverts, donc des soins qui durent un quart d'heure. Même en un quart d'heure, il y a quand même déjà un certain nombre de choses qui peuvent se produire. L'aloe vera est une plante qui fait partie de la famille des liliacées, c'est-à-dire de la famille de l'ail, de l'oignon, de la tulipe. Ce n'est pas du tout un cactus, qui pousse donc dans des pays très chauds et très secs. Elle a besoin de très peu d'eau et pourtant elle est gorgée d'eau végétale avec plus de 200 nutriments. C'est une plante qui va stimuler les défenses naturelles, qui va hydrater, qui va cicatriser, qui est la plante aussi des brûlures. Ce qu'on va utiliser, c'est l'intérieur de la feuille, qui est donc très très riche, qui a plus de 200 nutriments. Et donc elle va être broyée, lavée, broyée, pour donner un jus, on appelle ça la pulpe de l'aloe vera, que l'on va donc pouvoir boire, ou alors que l'on va utiliser pour des produits sur le corps, donc dans le gel douche, le shampoing, les crèmes de jour. Dans l'Antiquité, on a retrouvé des écrits en fait, où elle était utilisée. Donc ce n'est pas nouveau. La seule chose, c'est qu'on revient un petit peu vers les produits de bien-être naturel aujourd'hui. Et l'aloe vera en fait partie. La naturopathie est une médecine préventive, holistique, qui permet d'optimiser sa santé par des moyens simples et naturels. C'est prendre soin de sa santé en utilisant différentes techniques que sont l'alimentation, penser aux exercices physiques, à l'équilibre émotionnel, mais également à toute la partie phytothérapique, hydrologique, toutes les techniques manuelles, que ce soit par des soins drainants, relaxants, énergétiques, voire des soins réflexes. J'explique sur le salon ce qu'est la naturopathie, j'explique ce qu'est un bilan de vitalité, je parle donc de la morphologie, de l'iridologie, des différentes techniques de la naturopathie. Et puis cette année, j'ai mis en avant un soin que je propose, qui est le soin détox. Il y a d'abord un premier temps qu'on appelle le soin drainant, puis ensuite un enveloppement en couverture chauffante avec des huiles essentielles. Le soin drainant, l'objectif, c'est vraiment de drainer en profondeur le corps de la personne pour remonter un maximum de toxines, les remettre en circulation dans le corps. Et pour être sûr que la personne élimine correctement ces toxines, je l'enveloppe dans une couverture chauffante après avoir oint la personne d'un mélange d'huile essentielle et d'huile végétale qui va aider la personne à bien transpirer. Il faut vraiment voir la naturopathie comme une médecine préventive où on va pouvoir améliorer les maux de tous les jours, que ce soit des maux digestifs, des troubles du sommeil, que ce soit des prises de poids, que ce soit les rhumes, les rhinites, les bronchites. Et le naturopathe, étant un éducateur de santé, apprend à la personne à se prendre en main au niveau de sa santé. Alors le shiatsu, c'est un art de toucher japonais qui prend ses origines dans la médecine chinoise. C'est-à-dire qu'on est basé sur l'équilibre des énergies et l'harmonie du corps sur le principe de l'acupuncture. À la différence de l'acupuncture qui sont des aiguilles, qui ont un travail très précis et très effectif, nous on va avoir une attitude un peu plus grande avec les pouces, les mains et on peut travailler aussi même avec les pieds. C'est un peu plus englobant, la personne elle est prise en main, il y a une espèce de relation un peu plus douce que l'acupuncteur. Donc c'est un travail de détente, d'apaisement, d'harmonisation et un peu de relais entre le corps et l'esprit. On peut faire du shiatsu, recevoir un shiatsu, mais l'idée aussi, c'est de s'approprier le shiatsu. Et moi, je propose toujours, dans mes séances, aux personnes de faire des petits exercices chez eux d'auto-shiatsu. C'est ce qu'on appelle le doin. Le shiatsu, on le donne à quelqu'un. Et donc, le doin, c'est le shiatsu qu'on se donne à soi-même. On va utiliser les mêmes points, avec des techniques identiques de tapotement, de pétrissage et d'essuie. Il y a un schéma corporel à suivre, c'est-à-dire qu'on va partir vraiment de la tête jusqu'aux pieds pour toucher tout le corps et un peu réénergiser. Après, on va insister plus sur des endroits ou d'autres pour, par besoin. Bon, si on est un peu anxieux, si c'est avant un rendez-vous, parce que ça, on peut le faire le matin, c'est donc un peu une hygiène quotidienne. Ça peut être ponctuellement à un moment de stress.
Hop, on peut se faire un petit douin ou quelques points pour abaisser le stress. On n'est pas cantonné dans une pratique avec des protocoles. C'est-à-dire qu'on va s'adapter à une personne, à son âge, à sa pathologie. Si c'est une personne âgée qui ne peut pas s'allonger sur une table, eh bien on va le faire assis sur son fauteuil. Si c'est un bébé qui n'arrête pas de gigoter on frappe, et qui ne veut pas être tout seul sur un matelas, on va le faire dans les bras de la maman. Après, le shiatsu pour une personne stressée, pour quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est très cérébral. Donc, cette personne-là, on ne va peut-être pas forcément travailler sur sa tête parce qu'elle travaille avec sa tête toute sa journée, on va travailler que sur son ventre. C'est vraiment un complément, par exemple, de la médecine. Voilà. Jamais je vais dire à quelqu'un, faites ça à la place d'aller voir votre médecin. Et, jamais, par contre, vraiment, combinez le tout. Vous avez la chance, on a la chance aujourd'hui de pouvoir combiner tout. C'est-à-dire de trouver, d'aller sur plein de pistes et de trouver la bonne piste pour sur le chemin du bien-être. Alors la sophrologie est une technique de relaxation qui a pour but de relâcher le corps et le mental. On propose aux personnes à travers la sophrologie de se reconnecter à leur corps et également à leurs sensations corporelles. Alors la sophrologie peut être utilisée pour la dépression, pour la gestion des émotions, pour des problèmes alimentaires puisqu'on va travailler sur le schéma corporel. Sur le sommeil, sur les douleurs. Ce qu'on propose en sophrologie, c'est vraiment trois techniques de base. Donc une détente corporelle, apprendre à relâcher les tensions et à se détendre. Donc les tensions qui peuvent se loger dans différentes parties du corps et amener des problèmes articulaires, des contractions, des douleurs diffuses dans le corps. Et là, je leur apprends à diffuser à l'extérieur de leur corps toutes ces tensions, à chasser le négatif du corps en fait. Et une fois que ce négatif est expulsé à l'extérieur du corps, on apprend à visualiser du positif, à générer du positif en soi. Une personne était venue pour des problèmes d'insomnie qu'elle avait depuis 40 ans. Elle a perdu son mari qui est tombé dans le coma il y a quelques années, enfin une quarantaine d'années justement. On s'est aperçu toutes les deux que le coma de son mari lui avait amené cette peur de la mort. La peur de la mort qui lui a entraîné en fait des problématiques au niveau de l'insomnie. Le fait de se reconnecter à ses sensations corporelles lui a permis justement de se remémorer cet acte dramatique qu'elle a connu il y a quelques années, de prendre conscience, d'avoir un déclic et justement de lâcher prise sur certaines peurs. Donc, l'ostéopathie, c'est une méthode de soins manuels qui a pour vocation de rééquilibrer l'ensemble du corps. On va déceler les zones qui sont en perte de mobilité, donc c'est-à-dire qui n'ont pas l'amplitude de mobilité qu'elles pourraient avoir en temps normal. Aussi bien au niveau articulaire que sur du viscéral, ça peut être au niveau abdominal sur un estomac par exemple, ou au niveau du crâne, au niveau des muscles et des fascias également. Et nous, on vient tester, donc repérer ces zones de blocage, essayer de comprendre comment on s'est organisé autour de ça et pourquoi il y a une douleur qui s'est déclenchée. Et on vient traiter pour récupérer la mobilité perdue et rééquilibrer le corps dans son ensemble. Sur le salon, je fais un soin découverte d'une 20-25 minutes à peu près. Et en termes de conférence, je propose une conférence sur l'ostéopathie pour les bébés, donc sur l'accouchement et après l'accouchement, tout ce qui a pu se passer pour le bébé en termes de blocage, les différents symptômes qu'il peut présenter, que ça peut être des problèmes digestifs, des bébés qui pleurent sans raison apparente, tous ces types de symptômes qui peuvent être causés par des blocages physiques qu'on peut traiter en ostéopathie. Généralement, les gens consultent les ostéopathes pour beaucoup les douleurs de dos, des cervicalgies, des lombalgies, des douleurs dorsales. Donc, bien évidemment, on agit sur ça, mais on peut agir aussi sur tout ce qui est maux de tête, éventuellement des troubles du sommeil associés. Tout ce qui est troubles digestifs également, des douleurs digestives, enfin des douleurs au niveau du ventre, des douleurs au niveau du bassin également. Pour les femmes, le côté fertilité, essayer d'optimiser ce côté-ci. Et également tout ce qui va être douleur au niveau des articulations périphériques, donc les épaules, coudes, poignets, genoux, hanches et chevilles également, donc sur des suites d'entorses de cheville par exemple mal résolues ou une douleur au genou. Donc c'est pas uniquement le dos, mais c'est vraiment sur tout le corps, donc ça peut être sur tout type de douleur en général.
Les soins ayurvédiques, la particularité, c'est qu'on va prendre en considération le tempérament propre de la personne. Son tempérament, alors en ayurvéda, on appelle ça le vata, le pitta ou le kapha. Donc on va prendre en considération la constitution osseuse de la personne et en même temps son état émotionnel lorsqu'elle vient en institut pratiquer un massage. Les produits Lorraine Kelly, qui sont des produits ayurvédiques, il y a une huile qui s'appelle l'huile magicienne et elle est vraiment magicienne. C'est-à-dire que c'est une huile qui est avec de l'huile de sésame et en même temps des épices et des huiles essentielles. Et on va trouver comme particularité qu'elle va agir sur la circulation sanguine, elle va agir donc du coup contre les amas graisseux, mais en même temps quand on a des douleurs musculaires après le sport ou quand on a des douleurs tendineuses, elle calme vraiment le corps. Donc c'est un produit que j'utilise beaucoup en cabine pour justement soulager les personnes. L'originalité de cette gamme-là, qui est une gamme assez courte mais très riche en éléments actifs, c'est que tout vient des jardins. Donc en fait, vous avez le démaquillant et le nettoyant à la rhubarbe, vous avez le tonique au coquelicot, vous avez Rêve d'Iris, qui est un baume exceptionnel à mettre le soir pour régénérer la peau et la désensibiliser. De l'élixir à l'eau de ciste, la ciste est une petite fleur que l'on trouve aussi facilement dans les jardins et qui est un très bon anti-inflammatoire et un très bon hydratant. Le gommage corps est assez exceptionnel. Vous avez un mélange de sel d'Himalaya, de sucre roux, mélangé aux épices de cardamome, de fenouil, et tout ça est mélangé dans une huile. Quand on l'applique sur le corps, on bénéficie de tout le côté reminéralisant du sel et du sucre. Quand on frotte, ça fait vraiment une peau neuve. Et l'avantage d'avoir l'huile mélangée à ces plantes, c'est qu'on a une peau superbement hydratée après le gommage. Donc la réflexologie plantaire, donc c'est une technique d'acupression, donc je m'explique, c'est-à-dire donc des pressions sur des points et des zones spécifiques sur les pieds, au-dessus du pied, un petit peu en montant vers la cheville. Sur le pied, donc, il y a des zones qui correspondent à tous les organes du corps et tous les systèmes, donc digestifs, hormonaux, endocriniens, osseux, ce qui permet d'améliorer l'état de santé de la personne. En appuyant sur ces points, en rétablissant l'énergie, donc soit en stimulant les organes, soit au contraire en calmant les zones. Là, on est vraiment très proche du travail de l'acupuncteur, donc, mais sans les aiguilles, donc en pression avec les doigts sur le pied ou les chevilles du patient. Ça peut être juste pour de la relaxation et de l'entretien, mais ça peut être aussi voilà, plus curatif, où les gens viennent avec une problématique particulière. J'ai un problème de sommeil, j'ai un souci digestif, j'ai des migraines. Voilà, ils viennent avec un problème spécifique et ça va permettre d'aller au-delà du massage avec cette acupressure et des pressions spécifiques sur des zones et des points. La réflexologie plantaire, ça s'adresse à tout le monde, hein, aussi bien du nourrisson, de l'enfant, de l'adulte, des personnes âgées. La seule différence, c'est la durée du soin. La plupart du temps, quand même, je fais une heure de soin. Après, ça peut être des demi-heures selon moi ce que je vais trouver et comment je ressens la personne par rapport à cette première étude qui est faite quand ils arrivent en cabinet, où on voit l'état de santé global de la personne déjà, ce qu'elle m'exprime. La géobiologie, c'est pas une science, mais c'est quelque chose qu'on redécouvre par la force des choses, hein, qui est basée sur la redécouverte de savoirs très anciens. Et en fait, la géobiologie étudie toutes les perturbations qui peuvent exister dans l'environnement et qui abaissent l'énergie vitale chez les êtres vivants, les humains notamment, et puis les végétaux, les animaux. Y a beaucoup de gens qui vont pas bien, qui sont pas bien chez eux et qui se doutent pas une seconde que ça peut venir de leur maison. Voilà, parce que c'est vrai qu'on ne fait plus trop attention à la façon dont on construit les maisons, les phénomènes du sous-sol, on ne sait pas ce qu'il y a sous la maison. Ce développement technologique très rapide a fait que maintenant on est envahi d'un confort moderne qui est vraiment très très appréciable, mais qui a aussi son lot de nuisances. Nous proposons donc des expertises, deux expertises, soit on se déplace chez les gens, soit on peut faire aussi une expertise à distance. Et à l'issue de cette expertise, on trace un rapport, on trouve tout ce qui abaisse l'énergie vitale chez les gens. On propose des corrections. Vous allez avoir plein de petits renseignements
sur la façon d'appréhender votre lieu, de ressentir votre lieu. Des petits conseils aussi pour éviter trop de pollution, par exemple l'électricité. Combien d'appareils on a chez nous qu'on laisse brancher pour rien. Et en fait, le champ électrique du fil de cet appareil va émettre. Alors c'est vrai qu'on sent rien, mais à la longue, ça plus ça fait que ça fait beaucoup. Ça fait un lieu où on ne se sent pas bien, où on est fatigué, on ne se repose pas bien. La diétothérapie fonctionne avec les minéraux que l'on pose sur la peau, alors que la cristallothérapie fonctionne essentiellement avec une pointe de quartz que l'on a programmée dans le corps éthérique, donc la circulation énergétique dans les méridiens. Et certains de ces méridiens sont encombrés par des résidus d'énergie perverse qui sont dus à souvent des émotions qu'on n'a pas compris ou mal vécues ou pas extériorisées. Et donc la cristallothérapie va donc aider à libérer, à évacuer ces énergies perverses sous forme d'émotions qui stagnent ou qui encombrent l'alimentation énergétique des méridiens. On travaille sur des voies de circulation énergétique qui s'appelle les méridiens, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas voir. On travaille sur des émotions, on travaille que sur des choses qui ne se voient pas. Il faut essayer de démagéifier tout ça et expliquer avec des mots simples, voire en s'appuyant sur la physique d'aujourd'hui qui est partie dans cette voie quantique et qui est en train de nous mettre en équation des inconnus d'hier. C'est-à-dire que tout ce qui était un petit peu magique, l'alchimie, tous ces gens qui travaillaient avec les guérisseurs, les sorciers, on est en train d'équationner toutes leurs pratiques qui étaient mystérieuses jusqu'à présent et qui sont en train de devenir logiques avec cette approche quantique. Et donc j'essaye de vulgariser. J'explique ce que sont les méridiens, ce que sont les énergies. C'est une vaste grande fréquence avec un point bas, un point haut. Dans ces fréquences, on va trouver du son, de la lumière, beaucoup de choses. Et entre autres, on va trouver une énergie qu'on appelle l'énergie universelle, le chi, le prana, le chi, ça dépend des régions du monde, l'orgone pour certains physiciens. Et donc cette énergie correspond à l'humain, et c'est une énergie qui va non pas forcément aller guérir l'humain, mais elle va aller plutôt stimuler notre capacité d'auto-guérison qu'on a en nous. Comme la salamandre peut se faire repousser une patte, on a une faculté d'auto-guérison si on le souhaite. Si on n'est pas dans une maladie identitaire et si on a vraiment envie d'aller mieux, on a beaucoup plus de moyens. Il n'y a rien de miraculeux là-dedans, c'est physiquement, énergétiquement explicable. Le magasin Jura Météorite, c'est une grande aventure et c'est pas un magasin de pierre à proprement dit, c'est qu'on essaye de pouvoir satisfaire les demandes qui sont trois grands domaines. Les lithothérapeutes vont avoir une demande de plus en plus large dans les variétés de pierres qu'il faut aller chercher de plus en plus loin. Les énergéticiens vont aussi avoir une demande, mais dans des pierres avec des vertus essentiellement énergétiques. Et la troisième grande catégorie d'amateurs de minéraux, ce sont les collectionneurs, les minéralogistes, qui eux sont les plus anciens en Europe, en Occident, et qui vont eux chercher des pierres encore différentes, avec une construction plus originale, plus parfaite. Donc les cahiers des charges est complètement différent, et notre plaisir, on va dire, quelque part, bien sûr qu'il faut vendre des minéraux parce que c'est la résultante, mais notre plaisir est d'aller trouver des pierres qu'on ne trouve pas ailleurs, les chercher aux quatre coins du monde. On arrive à avoir accès à des minéraux qui sont rares, pas forcément chers, mais peu courants, parce que peu demandés, mais qui vont satisfaire les exigeants ou les perfectionnistes. Voilà. Le top 4 des pierres aujourd'hui, c'est le sommeil, c'est le stress, c'est la douleur, et puis c'est la peur. Quand on a un jeune bébé qui ne dort pas, par exemple, on lui place sous son lit un bloc de quartz rose, il va retrouver ce qu'on appelle un sommeil de bébé. Il y a beaucoup de pierres efficaces sur la douleur. On peut citer la malachite qui est un anti-inflammatoire formidable. Pourquoi anti-inflammatoire? Pas parce qu'elle est magique, mais juste parce qu'elle contient beaucoup de cuivre et qu'il y a une oxydation qui va se créer, une contrariété électromagnétique entre le message douleur, qui est un message électromagnétique qui va de la douleur au cerveau, et cette pierre qui contient beaucoup de cuivre qui va brouiller ce message et qui va avoir des vertus réparatrices aussi sur le plus long terme. Il n'y a pas si longtemps, on le posait, mais est-ce que ça marche vraiment les pierres? Mais cette question, on l'a de moins en moins. On est maintenant, c'est beau ou quelle pierre pour faire ça? Voilà, on a l'impression que c'est devenu une évidence que ça fonctionne, et on va plutôt nous poser une question par rapport à un problème précis. On n'est plus dans mais est-ce que ça marche vraiment? Ça, c'était il y a encore un an ou deux, et cette question, elle n'est plus récurrente. Ça prouve qu'il y a une évolution de réceptivité. Très en couleur, très très beau, très très beau. Beaucoup de praticiens que je trouve intéressants, et la possibilité aussi de pouvoir essayer en fin de compte chaque pratique. Très coloré, très chaleureux, quand on y entre on est vraiment très bien. Je suis allée voir différents praticiens avec qui j'ai pu échanger, des belles rencontres. Par sa petitesse, j'ai trouvé que ça donnait une ambiance très cosy, très conviviale, ou un peu un côté familial où tout le monde se connaît. On se sent bien, détendu, il se passe des choses, c'est très subtil. Je trouve ça lumineux, apaisant, on s'y sent bien dès qu'on arrive en fait. On a l'impression que c'est bien organisé, que les choses sont bien posées.